Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour moi et pour prendre soin de ma peau. Donc, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise et puis voilà. Du coup, je commence par me laver le visage avec une petite crème nettoyante anti-pollution. Celle-ci de chez le Petit Olivier. J'aime bien. Je trouve qu'elle va bien pour ma peau qui est un peu sensible. Donc, c'est parti. Ensuite, je vais me faire un petit gommage avec ce produit de chez Garnier. Du coup, il fait nettoyant, exfoliant et masque. Mais je l'utilise, j'utilise que pour exfoliant parce que j'ai un autre masque. Ensuite, je vais me faire un petit masque à l'argile verte, comme ça. J'en fais un à deux par semaine. Bon, ça marque qu'on peut faire corps, visage et cheveux. Mais c'est vrai que j'ai encore jamais essayé sur les cheveux. Donc, on va mettre ça sur le visage. Bah, je vais le laisser poser 10 à 15 minutes et puis ensuite je vais aller à la douche et je ferai le reste de mes soins après. Me voilà, toute propre. Du coup, pour la suite, je prends mon eau de rose comme ça avec un petit coton et je le mets sur ma peau pour la soulager un petit peu. Ensuite, aujourd'hui, je vais mettre des petits pads pour mettre sous les yeux, pour concombre. Voilà, je vais mettre ça un petit peu. Alors. Du coup, je vais les enlever. Prendre mon petit truc comme ça pour masser un petit peu. Ça fait frais. J'aime bien. Ensuite, je prends ma petite crème Cicalfate. Bah, c'est une crème cicatrisante en fait. Et j'en mets juste un tout petit peu au niveau de mes cicatrices de boutons, etc. Ah, super, il y a l'horloge. Enfin, l'église. Et pour terminer, puisque c'est l'hiver et que j'ai les lèvres vraiment très sèches,
Je mets un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher, comme ça, au beurre de karité. Et voilà, c'est terminé pour ma skincare routine de une fois par semaine à peu près. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire quelle autre vidéo vous voulez que je fasse la prochaine fois. Merci beaucoup et voilà.